Ça va passer à la télé, tout ça? Sur la FFF. Putain, tu aurais dû me dire ça, j'aurais fait... J'ai la pêche, je suis extrêmement content de retrouver les sensations et qui plus est le terrain, puisque bon, ça faisait quand même 4 mois que j'étais convalescent suite à une opération du ménisque. Je l'ai trouvé avec un état d'esprit de conquérant. J'ai vu qu'il avait un peu fin du ballon, quoi. Quand on sort d'une longue blessure, d'une assez longue blessure, on a quand même un peu d'appréhension. De point de vue personnel, ça m'a fait énormément de bien de retrouver les copains, le terrain, et de retrouver tout cet engouement qui fait le football. Tous ces ingrédients-là me donnent la pêche. Et j'ai hâte d'y être. Au cours des fêtes de fin d'année, il ne vient jamais en Guadeloupe. Donc on a décidé, mon épouse et moi, de venir ici cette année, de passer les fêtes de Noël avec lui. Je suis beaucoup partisan de la famille, donc sans ma famille, je ne serais pas là où je suis. Et chaque jour que Dieu fait, ma famille est là pour me remonter le moral, surtout dans ces moments difficiles. Où malheureusement on voit personne. Et si je suis ici, je suis l'homme que je suis et le joueur que je suis, aujourd'hui, ben c'est grâce à grande partie à elle, ma famille. C'est un gaucher, et les gauchers généralement, ce sont des. Quand ils sont footballeurs, ce sont des hommes qui ont. Des garçons qui ont beaucoup de qualité. Mais sa force, je crois que c'est le dribble et la passe. Enfin, tous les fondamentaux, quoi. Je lui conseille toujours d'avoir la volonté et de travailler, parce que le travail paie toujours. En général, on dit que quand on sort d'un moment assez compliqué, ben, y a toujours quelque chose de bien. Donc, et ça forge le caractère, ça forge le mental. Et comme je vous ai dit, ça me donne que la pêche. Là, j'ai faim. Là. Donc, attention, le bison, il va revenir fort. Vous le dites. L'US Créteil, visite annonce. Puisse monter en Ligue 2. Voilà, c'est ce que je lui ai dit. Voilà, de participer à cela. Merci papa, merci maman, merci mon frère, merci mes amis, même mes ennemis, merci. On a une fierté profonde lorsqu'on fait son club monter en division supérieure. Et ça, je l'ai fait à plusieurs reprises en Guadeloupe. Et donc, je veux qu'il le fasse véritablement cette année.